Non, Marcel. Salut, Brooke, t'as fait bonne route? Ouais, dis donc, encore un moment, tu regarderas là-dessous, hein. Je pense qu'il a, il tire à gauche. Bah, il a qu'il a 100 000 bornes et qu'il en a marre. Moi aussi, et je me tiens droit, il a qu'à faire comme moi, hein. Chris, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ah, ben, dis donc. T'es arrivé hier soir. Oh, c'est égal, je voudrais bien en conduire un comme ça une fois, tiens. Un jour de congé. Je ferai le tour des bordels avec. Champion de la ligne, le cadre du volant. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensemble des fois? Tu veux savoir? Eh ben, t'es même pas drôle. Allez, mon gars, en avant les pelles et les tôles. Faut aider son prochain. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est les misères de l'âge, hein? Faut faire semblant de s'apercevoir de rien. Ce pauvre plouc, il a la vue qui baisse, alors il roule de plus en plus à côté de la piste. On le récupère un peu partout, des fois en Mozambique, des fois sur la Nationale 7. Des fois, comme c'est le cas dans le fèche-fèche, alors on le ramène en remorque pour pas qu'il perde sa place. Bah, un vieux, faut bien que ça mange. Tiens, ça me rappelle ma finlandaise. Tu la connais, mon histoire avec la finlandaise? Oui. Eh ben, toi qui la connais pas, tu vas te poêler. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Alors, aussi c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Le branque dit oui et me blabore avec la poupée. C'est pas vrai, Saïd? Tout ça, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et c'est même vachement intéressant. Tu vas bosser un peu, dis, hein? Une seconde, ça l'intéresse. Ça s'est terminé comment? Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes. Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de brayer, gage pour tes cartes. » Et son mari n'a rien dit? Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Dis donc, Mitch, je te reste ramasser tes tôles, hein. T'as pas d'autre course dans le quartier? Dis donc, si tu veux à Moussera, tu peux gagner 120 bornes. T'oublies tes souvenirs, puis tu passes par Cherfa. C'est l'équipe de fer. Ben, je disais justement à Saïd, ce pauvre plouc avec les mauvais yeux qu'il a maintenant, va bientôt falloir mettre des filets au bord de la route. Pour pas qu'il aille se foutre dans le ravin. Eh ben. Bravo, jeune Jean. T'as une barre de remorquage? J'ai tout ce qu'il faut, toujours. Quand tu roules devant moi, j'emporte même un moteur de rechange. T'arriveras plus à me surprendre. Enfin, ce coup-là, on aura pour à creuser, c'est déjà ça. J'aime mieux quand t'opères en surface. Parce que parti comme t'étais l'autre coup, en améliorant un peu, fallait amener les spéléologues. Appeler les quoi? Non, c'est rien. Laisse.
Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise, et surtout pas moufter. Hein. Si jamais t'as le malheur de dire un mot, un seul, c'est comme si tu mettais deux thunes dans le bastringue, ça s'arrête plus. Je lui confie le bahut. Je vais au rendez-vous pour l'encaissement. Je trouve personne. Je retourne au camion. Plus de camion. Plus de PayPal, tout ça. Hop, envolé. C'est pas vrai, t'inventes. Mais je te jure, Plouc, parole d'homme, elle m'a fait la malle. Il y a quand même des salopes incroyables, quoi. Hein? Et tu vois, si tu m'avais fait confiance. C'est toi qui m'aurais fait marrant. Oui, mais ça avait plus de classe, non? Hein?